Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. L'Arménie occidentale, Urartu, est la base de l'arbre généalogique des nations et des pays du monde. Une soirée commémorative consacrée à l'expert des monuments Samvel Karapetyan a eu lieu. Il est prévu de construire 150 maisons dans la communauté du marché rouge d'Artsar. L'armée syrienne autorise à tirer sur des drones turcs sans avertissement. L'espace des poissons trouvés dans le lac de Van a reçu un nouveau nom. L'équipe nationale arménienne de football a battu l'équipe nationale islandaise à Yerevan. Cette carte représente les montagnes d'Ararat ou la manière dont la terre entière a été peuplée par Noé et ses descendants après la déluge à partir de l'Arménie, gravée pour le magazine Universel à Londres en 1749 par l'école anglaise de collection privée de Ken Walsh. L'Arménie serait donc à la base de l'arbre généalogique des nations et des pays du monde. L'arbre généalogique a été utilisé dans un magazine publié à Londres qui se trouve au London Museum en Angleterre. Quand on parle de l'Arménie sur la scène mondiale, le fait le plus essentiel que nous mentionnons est que l'Arménie a été la première à accepter le christianisme comme religion d'État. Mais c'est plus qu'étrange que l'Arménie est l'une des trois pays dont la carte d'argile babylonienne du 6e siècle, c'est-à-dire que depuis plus de 2600 ans, nous avons notre place sur la plus ancienne carte du monde. L'article complet est disponible sur notre site web. Chers compatriotes, le 27 mars, une soirée commémorative dédiée à Samvel Karapetyan a eu lieu dans la salle de l'Union des architectes d'Arménie. La soirée commémorative a été organisée par les collègues de Samvel Karapetyan, les employés du Fonds de recherche sur l'architecture arménienne. Des représentants de différentes générations et professions se sont réunis pour rendre hommage à l'intellectuel bien-aimé et à sa mémoire vivante. L'événement a commencé par la projection d'un film tourné par le Fonds de recherche sur l'architecture arménienne. Le film présentait des images de la vie et du travail d'un intellectuel populaire. Au cours de la soirée commémorative, tout le monde a honoré d'une minute de silence la mémoire des héros de la guerre d'Artsar de 44 jours et de Samvel Karapetyan. L'événement était organisé par l'écrivain et publiciste Artur Andranikian, l'architecte honoré de la République d'Arménie Mokertich Minassian, l'architecte honoré de la République d'Arménie Narek Sarkissian, le géographe et cartographe Ruben Galchian, le fondateur et directeur artistique du groupe traditionnel de chant et de danse Karin, Gagik Ginosian, ont partagé leurs souvenirs de Samvel Karapetyan. Joram Anoucharian, président du conseil d'administration de la fondation, chef de la succursale américaine, a livré un message vidéo. Les organisateurs de chaque représentation ont consacré un œuvre en deux volumes dédié au 80e anniversaire du père de Samvel Karapetyan, Gevor Karapetyan, publié par le Fonds de recherche sur l'architecture arménienne, ainsi que du numéro régulier du magazine Vartsk de la même organisation. Il est à noter qu'en plus des discours, les éléments de travail de Samvel Karapetyan ont été exposés. À la fin, Emma Abrahamian, la veuve de l'historien Samvel Karapetyan, a déclaré que l'intellectuel bien-aimé n'était pas avec nous depuis un an et un mois, mais tout le monde continue à travailler dans le même esprit, gardant sa mémoire vivante et continuant la faire laisser inachevée. Avec l'aide du fonds d'investissement d'Artsar, des immeubles à appartements sont en cours de construction dans la communauté de Marché Rouge de la région de Martouni, située dans la partie sud-est d'Artsar. Cela a été rapporté par le ministère de l'administration territoriale et de l'infrastructure d'Artsar. Selon le maire, une partie de la population est engagée dans l'agriculture, l'élevage et ils ont 2-3 grandes fermes. Il y a des ateliers d'huile, de vin, de menuisier et autres. Il est prévu de construire 150 maisons dans le village. Il y a un poste de secours dans la communauté, mais les conditions de construction ne sont pas bonnes. Il y a une ambulance. Il y a des infirmières expérimentées, mais il n'y a pas de médecins. Les systèmes de défense aérienne syrienne ont reçu l'ordre d'abattre des drones turcs dans toutes les parties de l'espace aérien du pays sans avertissement. Selon l'agence de presse Aviapro, la raison de cette décision tranchante est l'aggravation de la situation dans le nord et dans le nord-ouest de la République syrienne par les forces armées turques et les djihadistes. Les drones turcs sont très efficaces en Syrie et en Libye. Grâce au système de défense militaire russe Buk-M2E au service de l'armée syrienne a jusqu'à présent été en mesure de frapper efficacement les drones turcs, y compris les drones Bayraktar. Dans le plus grand lac riche en soude du monde, dans le lac de Van en Arménie occidentale, en plus des principales espèces de poissons, une nouvelle espèce de poisson peut vivre. Cette nouvelle espèce de poisson s'appelle petite corail du lac de Van. En 2018, une nouvelle espèce de poisson de 5 à 6 cm de long a été découverte sur un microbien dépassant 13 mètres dans le lac de Van. De nombreuses études scientifiques ont été menées sur le poisson découvert il y a environ 3 ans, sur la base desquelles un programme a été élaboré au service social de la gendarmerie de la province centrale d'Artamed de Van. Dans le cadre du programme, le poisson nouvellement découvert a été présenté aux invités.
Pour la première fois, l'équipe nationale arménienne de football a commencé le tournoi de qualification pour la Coupe du Monde avec 2 victoires consécutives. La page Twitter officielle de la Coupe du Monde de la FIFA a commenté cette réalisation de l'équipe dirigée par l'Espagnol Joaquín Caparrós, publiant la photo de l'équipe arménienne après la victoire 2-0 sur l'équipe islandaise. Il faut rappeler que lors du premier match, l'équipe arménienne a battu l'équipe de Liechtenstein avec un score de 1-0 à Vaduz. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Tararan, Vznocet Jesem Narchel, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.